racheter nos sacs. Toi, ton sac il est dans ta chambre, le mien il est dans la mienne. On va y aller. Oh, regardez là-bas, il y a un véhicule. Allô? Quelqu'un m'entend? Allô? Quelqu'un me reçoit? Yann, fais gaffe, attention, je suis ouvert. Oh non, je suis ouvert. À l'aide! Au secours! Je pense que je vais continuer les suivre et voir où ça nous mène. Bon, ils font quoi là? Désolé, j'arrive. Ah, te voilà, Kylian. Attendez, il est où, Johan? Ah, il s'est tiré. Il était pas avec Kylian? Non, il s'est tiré vers là-bas. Tout à l'heure. Là-bas? Oui, il s'est tiré là-bas. Comment ça, ici? Mais c'est... On était en train de se changer et tout, de se préparer, et moi, quand j'étais en train de scruter... J'étais en train de scruter et je l'ai vu se tirer là-bas, en train de regarder derrière lui. En fait, bah non. Il regardait derrière lui comme si on le suivait ou pas, donc pour essayer de nous fuir. Donc on aurait pu perdre un allié potentiel, mais bon, c'est... On frappe et... Il a peut-être eu peur qu'on le trahisse ou quelque chose comme ça. Bon, voyez les gars. Vous voyez la nuit qui tombe là, on reste dehors la nuit, on est claqué. Je suis sûr que sa base là, il faut être dans la tour. Moi je pars. Hein. Moi on va au lycée. Bon allez, on se tire là-bas. Alors, non, je crois que c'était par là-bas le lycée. Ou... Oui, mais il faut d'abord qu'on sorte. On est un petit peu dans une cage là, on va dire. On va pas se le cacher. Bon, allez là, allez venez les gars. Ouais. Alors les gars, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Allez, let's go. Blackest dark of the darkest night, underneath the glow of the candlelight, in the heat and the hot and the dark and the sound and the sound and the sound of the aching hours and the sweat and the stain of the incense. Dark with a rolling dice, Mr. Splitfoot knocks once and twice. In the dark cold night, hear the ravens call. On est arrivé. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. À bien vieillir. Vite. Allez, ouvre. Oh, c'est verrouillé. Poussez. Lucas, c'est verrouillé. Lucas, derrière toi, regarde. Lucas, derrière toi. Vite. Oh merde. Ouvre. C'est bon, ferme. Ferme. Vite. C'est bon. Regardez le bahut. Waouh. Oh putain. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé? Les toilettes. Oh, regarde l'accueil. Oh non. Il y a deux zombies. Bon, j'en ai déjà vu, mais ta secrétaire en la peau. Pourquoi il était sur des pics? Mais regardez, le plafond il s'est écroulé. Oh mon dieu, il y en a qui se sont amusés ici. Putain. Je pense qu'il doit y avoir des survivants parce que il y a des plots comme ça. Oui. J'ai vu quelqu'un. Qui? Je suis sûr que c'est lui. Non, attends. Kylian, reviens. Plus un geste où je tire. On s'en... Attends, on jette nos armes. Désolé. On peut tout expliquer, Allez-y. Tiens, prends mon sac à dos, tiens, il y a tout dedans. Ilan. Attends, tu le connais? Oui, oui, je le connais. On est dans la même classe. Attendez, vous savez? C'est qui? C'est lui qui courait là? Oui, c'était lui, je t'ai vu. Oui, c'est moi. Oh punaise, c'est qui? Tu peux leur dire, tu peux dire à ton ami d'éviter de nous viser. Il s'est passé quoi là? Parce que moi je viens comme ça avec mon arme et vous êtes réconciliés, moi j'ai... Je sais pas. Tu peux... Ah, moi je suis totalement dépassé, je me tire. Tu peux demander à ton ami de nous rendre nos affaires, s'il te plaît. Ouais mais c'est qui lui? Oh, voilà. Ah t'inquiète, c'est un ami que j'ai rencontré. Ils sont venus me voir dans... Et lui c'est qui? On est amis, on est amis. Ah c'est aussi un... c'est des voisins en fait. Moi clairement je vais pas mon arme. Regarde, vous pensez que je peux leur faire confiance ou pas? Oui, ils sont de confiance. Tiens, bon regarde mon arme, elle est jolie. Bah récupérez vos armes alors. Merci. Mais attends, mais... Tu me dis quelque chose toi? Ah bon? On s'aurait pas déjà vu à un moment? T'es un lycéen? Oui j'en étais un. Attends. Ah attends, ta couleur... Ah mais... Oh mais t'as mis tout le temps. Attends, tu sais qui je suis? Attends, c'est toi Aymeric? Oui, c'est moi, c'est moi. Ça fait longtemps. Nolan, il a réussi à survivre. C'est Lucas, putain, tu viens? Ah, c'est Lucas. Ah, salut. Ah oui, je me rappelle l'époque où tu t'amusais à te balader de table en table. Le cours techno, tu te souviens, il voulait se mettre à côté de moi tout le temps à chaque cours. Je me rappelle très bien. Faut qu'on parle. Ah oui, viens voir, faut qu'on parle. Brick, viens voir. C'est qui celui-là? Brick Fury. Ah oui, c'est un... Brick, viens voir s'il te plaît, Brick. Un autre lit. Un peu timide. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, il est un peu timide. Vous l'avez rencontré quand? J'ai vraiment oublié qui c'était. On était au lycée avec les militaires. Ouais. Ils sont passés où les militaires d'ailleurs? Je crois qu'ils sont tous morts. Vous avez fait comment pour survivre en vrai? Dans un collège. Nolan? J'aurais quelques questions. Oui. Vous avez essayé de sortir? Non, trop dangereux. Et puis, il y a de ça quelques mois, des soldats nous ont dit de rester ici. Ils revenaient bientôt. Attends. Et vous écoutez les soldats? Donc il y avait des soldats ici? Il y en avait, oui, mais du coup ils sont partis. Ils sont jamais revenus? Bon, on les a pas revus en tout cas. Et... Lucas, quoi? Tu crois que Johan faisait partie de ce groupe? Il y a de très très fortes chances. Est-ce que vous connaissez un Johan dans le groupe militaire? Non, ça me disait rien du tout. Ça se prouve, il ne voit plus de début, Johan. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il y a de très fortes chances. Attends, je vais lui dire. Il était sergent, il avait une marque de sergent sur sa blouse et il disposait d'un sniper, une AWAP, je sais pas si tu connais. Il est vert en général. Vraiment, ça me dit rien du tout. Il est vert et long. Tu connais pas? Non. T'as vu aucun militaire comme ça, assez maigre. Il était souvent habillé en bleu dessous ses affaires de militaire. Non, franchement, malheureusement, j'en ai jamais vu. Brick. Bon, je pense que... Je suis sûr qu'en fait... La nuit porte-conseil. Vous avez pas un endroit pour dormir? Bon, on dort ici généralement, donc pas réellement. Mais il y a des provisions. Vous avez une salle avec des provisions? Oh. Oui, mais... Oh, je leur dis. Oh yes. Comment il s'appelle? Tu t'appelles comment? Jules. Jules, est-ce que tu pourrais nous y conduire s'il te plaît? Bien sûr. Bah, allez. Et merde. Burger. Non, sérieux? Allez les gars, montez! Montez les gars, bordel! On avait des burgers, il y a une énorme cour, on faisait du sport à peu près. Et nous voilà. Wow, pas mal de trucs. Oh, il a arrivé, on se fait un petit rôle. Ouh! Non, c'est là qu'on se sert. Jules? Oui. Quelque chose me dit que vous étiez beaucoup plus nombreux avant, je me trompe pas? Oui, nous étions environ 15, mais certains sont partis avec les militaires. 15 avec tous les élèves qu'il y avait? Ça veut dire, les élèves, tu sais, s'ils sont rentrés chez eux, ou il y a... Me dis pas qu'ils sont tous morts, me dis pas qu'il y a eu un massacre. On est resté que nous trois dans le bâtiment. Brick, sans vouloir démoraliser, s'ils sont rentrés chez eux, il y a très peu de chances qu'ils soient encore en vie. Ouais. Surtout avec tous ces cadavres, notamment celui-là, là. Bon, faut en rire. On est arrivé, il était là. Oh non, il marche pas. J'ai tenté de réparer la radio, elle a l'air HS. Il a dû jouer à la chaise musicale, celui-là. Le système de connexion... On l'a nommé, Pepito, celui-là. Ah, oui, Pepito, c'est vrai. Ouais, mais vous n'aurez pas vous moquer, ça pourrait s'appeler maintenant. Oh, mais Aymeric, il faut en rigoler. Bah oui. Ouais, bon bah... On s'est 1v1, les gars. D'ailleurs, ils sont où, les verts? Quoi? On l'a même transformé en... Allez, non, les gars, écoutez, je propose qu'on fête nos retrouvailles, hein, écoutez. Allez. Pour info, je bois pas. Mais évitez de tout boire, parce qu'on en a besoin. Je suis sûr qu'ils ont... Vous avez du Creeper Cola? Moi, je suis plus adepte de l'agneau, là. La bignole, là. Attendez, là, c'est le... Est-ce que vous avez du Creeper Cola? Le tonneau de bignole. Nolan, tu peux venir, STP? Donnez-moi tout. Oui. Viens voir, moi. Dis-moi que t'as encore des verres pour l'agneau. Là, c'est le Creeper Cola. Là, c'est le Creeper Cola. Je comprends absolument rien de ce que tu dis, là. T'as encore des verres pour l'agneau, j'espère. Ouais. Des quoi? Des verres pour l'agneau. Faut un verre. Passez-moi un verre, des bouteilles, tout ce qu'il faut. J'ai des bouteilles, mais c'est tout. Ah bah c'est pareil, on va pas chipoter. Allez, c'est pareil. Bon, écoute, bon, allez les gars, portons un toast à nos retrouvailles. Un petit toast. Attention, à 3, on dit tous à nos retrouvailles. Allez, on fait 3, vous êtes prêts? 2, 1, à nos retrouvailles. Désolé, voilà. Je crois que je vais faire un tour aux toilettes. Ah non, non. C'est très important. C'est du Creeper Cola sacrément explosif. Ah bah là oui. Et voilà la salle. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? J'avais pas une grande confiance en vous. On se lit. Je sais pas moi. Je prends lui. J'en ai rien à foutre à vrai dire. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais me pisser dessus après avoir tout bu. Un zombie! Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Putain, t'as entendu ça aussi? Tu t'es réveillé toi aussi? Oui, j'ai entendu. Viens chez moi, ça venait de là-bas, vite! Ouais, je crois. Oh, qu'est-ce que c'était? Jules, tu vas bien? Oui, c'est bon, il y avait juste un simple zombie. Un simple zombie? Comment il est entré? J'en ai aucune idée. Oh, c'est pas grave. Allez, on va retourner se coucher, on aura une longue journée demain. C'est sûr, parce que je pense qu'il faudrait plutôt sécuriser la porte, non? Non, le rail, il avait l'air seul. Il avait l'air seul? Oui. Bon. De toute façon, vu comment il a crié, il aurait attiré les autres depuis longtemps. Allez, venez. Ouais, c'est vrai. On va verrouiller la porte. Attends. Voilà, c'est bon, on peut retourner se coucher. Allez, bonne nuit les gars. Heureusement que les appareils et les autres. Salut les gars. Salut. Debout Nolan. Kylian, debout. Ouais, petite fin de soirée un peu agitée. Un petit peu fatigué, tu m'excuseras. J'ai l'eau à la bouche. Et bah, va en boire. Je reviens, je vais aux toilettes. Au revoir. Ouais. Moi, je vais. Bah, vous venez, on va bouffer les gars. Ah ouais, carrément. Ah ouais. J'ai un peu faim là. Vous avez quoi pour le petit-déj? Bah, en fait, le seul nourriture qu'on avait, c'est des burgers, donc... Ou sinon, on peut aller à la cantine, il reste quelques trucs. Oui, c'est vrai. Attends, par contre, c'est tout pourri, hein. Faut parler de trucs qui sont en conserve. Bah, il reste des petits cookies. Des raviolis. Ok, j'y vais. Ravioli. Vous avez des raviolis? Des conserves. On a des boîtes de conserves, mais... Les toilettes. On a... Personne rentre. Ah, c'est coupé. Oui. C'est sur la diarrhée, là. Ah bah oui. Oh, vous avez tout mangé. Ah, les souvenirs. Oh, il y a encore notre assiette. Oh, les gars, vous avez collectionné notre plat de la dernière fois. Oui. Ah, oh, ça doit être dégueulasse. Ah bah là, je vous déconseille de les manger. Ah bah oui, oh là. Mais les gars, y a plus rien dans les cuisines. Oh, quoi? Oh les gars. Les gars, il y a de l'électricité. Qui a allumé les lumières? Il y a de l'électricité les gars. Tenez. Il faut qu'on économise un max. Économiser l'électricité les gars, électroniser. Oh là, qui c'est qui a allumé tout ça? Vous êtes des malades les gars. Ça va tirer les zombies. Mais quand il y a plus d'électricité? Il faut trouver le générateur principal. Bon, Aymeric, raconte-nous ton petit plan que tu voudrais nous faire. Eh bien, je me suis dit qu'avec les quelques rations qu'on a là, on pourrait... C'est compliqué de rester là parce que... Johan nous a bien prévenu qu'il y avait une horde, donc j'ai peur qu'en restant là, on l'ait attiré. On a fait pas mal de bruit. Ce que je propose, c'est... Ça va pas vous plaire mon idée, mais ça peut être une bonne à côté. Je me suis dit on pourrait peut-être, parce qu'il n'y a plus grand chose ici, on pourrait peut-être aller en ville. Ça me dérange absolument pas. Oh, c'est une très mauvaise idée. Bah oui mais... C'est une concentration de zombies là-bas. Ceux qui sont pour cassent leur assiette. Bon bah je crois que la majorité est obtenue. Bon écoutez les gars, ce que je vous propose pour être le plus distrait possible, on prend aucun véhicule, on y va à pied. On y va super doucement, on utilise les armes en grande nécessité, on fait attention à tout. Et je pense qu'en ville, on pourrait sûrement trouver d'autres survivants. Bon, Kylian, quand on avait parlé la dernière fois, j'imagine que comme on s'était souvent énervé contre toi, comme tu courais un petit peu vite, j'imagine bien que t'as dû te dire qu'on pourrait t'abandonner ou machin du genre, enfin j'anticipe tes futures manies. Non, t'inquiète pas, on va pas t'abandonner. Ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est qu'on est en apocalypse et qu'il faut pas que tu cours devant comme un malade comme ça, ok? Oui, j'ai compris. Mais t'inquiète pas, on va pas t'abandonner, y a aucun problème. Ouais. Je pense qu'Aymeric voulait dire quelque chose, donc laissons-le. Bah, je pense que si vous avez déjà réussi à survivre jusque-là, c'est que voilà, vous avez réussi à vous adapter. Vous avez dû faire face un peu à ça. Vous avez vu ce massacre, je suis désolé. Nous, on était dans des bunkers, donc on n'a pas vu tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a vu, c'était quelques infos. C'est plus toi, ouais. Ouais, mais vous, tout comme nous, en fait, vous êtes vraiment jamais sortis, quoi. Je veux dire, on pourrait tenter notre chance. Peut-être qu'on trouvera un corps militaire, on pourrait... Regardez, il fait jour. On pourrait trouver un truc avant la tombée de la nuit, parce qu'en restant là... Non, je le sens pas, moi, en restant là. Donc, vu que la majorité, elle a emporté pour partir, je propose qu'on fasse nos bagages et puis on s'en va. En parlant d'abri, j'ai peut-être une idée d'endroit en ville. Il y a plein d'endroits, les immeubles sont super hauts, les zombies ils savent pas grimper. Non mais un endroit où on pourrait trouver peut-être d'autres survivants. Ouais. Ah, donc on voit ça. Attends, Brick, Aymeric, il vient de parler de survivants. Oui. Écoute ce qu'il a à dire. Ça peut être très intéressant pour nous. Développe, Kylian, s'il te plaît. À un moment, j'étais allé faire un petit tour vite fait. J'avais récupéré toute l'eau dans les magasins, j'étais allé voir un peu dans la ville et j'étais passé à côté d'un bâtiment. J'avais aperçu une lumière s'allumer et j'ai vu des ombres de personnes passer. Ça aurait pu être juste des zombies, tu nous as déjà un peu parlé de ça. Les zombies ne sont pas assez intelligents, ils ne savent pas allumer une lumière à corde. Bon, vous savez quoi, on se donne 20 minutes et on se retrouve à l'entrée. Allez, c'est parti. Bon, par contre, les gars, quand on est entré hier, il y avait des zombies. Attends. Ils ont l'air de plus. Je vais ouvrir. Apparemment. Ah. Vas-y, je sors. Ok, ils sont plus là. Mec. Ils étaient combien à peu près? Une dizaine. Ah oui, quand même. Un MP7, pas plus. Okay, je vais voir au sniper. Il est en trop, je l'ai en trop. Je trouve personne au sniper, non, c'est bon. Merci. Bon, écoutez les gars, bon bah je vais vous dire mon plan. Allez. Alors, Alors attendez, attendez juste, je cherche une map, un truc pour faire une map, pour prendre les dés du lodin. Ah oui d'accord. Ah voilà, bon j'ai pris ça, au pire on s'en fout. J'ai un sniper, j'ai une AK, un pistolet et puis un... Voilà c'est bon, j'ai une map, ok. Bon les gars, d'après la map que j'ai dénichée là, si on continue tout droit là-bas, on pourrait potentiellement tomber sur un centre commercial. Normalement on devrait aller vers là-bas, et si je connais bien la ville, ça devrait être vers là-bas la ville. La ville elle doit être vers là-bas normalement, si je me souviens bien. Bon les gars, je crois que c'est le moment. Eh bah c'est parti. Let's go. Je me mets derrière vous par contre les gars comme je sniper. Loneliness is a